Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 2 à la retraite des Tinois. Et aujourd'hui, on revient directement, enfin, on s'était arrêté en plein cœur de Dobuita. Et on se rend directement à l'agence de voyage où justement Tom Johnson nous avait justement dit d'aller là-bas pour voir s'il n'y avait pas des Chinois qu'on pourrait retrouver pour savoir où se cache le fameux Landy. Donc là du coup, le directeur de l'agence nous renvoie directement dans le resto chinois. Alors j'espère que vous allez bien, moi je suis super content parce qu'il faut que je vous raconte quand même une petite histoire. Ça y est, le premier épisode de Rendez-vous en chaîne inconnue a été tourné. Si vous suivez la page, ma page Facebook, j'ai fait une petite annonce justement avec Jojo Bernard qui avait strictement rien dit. Et j'ai même fait une petite vidéo Instagram pour vous dire ce qui s'était réellement passé juste après parce qu'il avait bougé quelques figurines. Et en tout cas, je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec lui. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet pour vous expliquer un petit peu les détails assez intéressants parce qu'il y a quand même des choses à savoir concernant ce tournage. J'ai regardé cette vidéo et il y avait quelques trucs qui n'ont pas été mis et moi je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Donc là maintenant nous sommes à Hachichi Chinese Restaurant, donc c'est là justement où on nous a rebasculé. Donc voilà, on va aller parler au cuisinier. Yes? Are there any other Chinese people around here? Why do you want to know about other Chinese? Nothing really. Is it something to do with what happened to your father? Yes. Oh no. Not all Chinese people are bad. I understand that. But the only clue I have is that they were Chinese. Please. Is there anything you could tell me? You say Chinese people around here? But there's quite a lot of them compared to before. We don't really know the newcomers. I see. Why don't you tell him about the three blades? Oh. Ouais, alors ce que je voulais absolument dire concernant cet épisode, c'est que vraiment, j'aurais pu appeler ça le téléphone arabe, parce que vraiment, lorsqu'on avait parlé à deux amis, rappelez-vous, qui nous avaient rebasculé vers Tom Johnson, qui Tom Johnson vient justement de rebasculer vers l'agence de voyage, et un petit peu à la fois, vous allez vous retrouver à d'autres endroits différents. Donc là du coup, on va vous parler des... Alors les trois blades, enfin, je sais pas concrètement comment je pourrais le traduire, mais voilà, un petit peu à la fois en fait, de personne en personne, on va vraiment vous rebasculer et vous allez rentrer dans une sorte, vous allez avoir une sorte de raison en quelque sorte. Et du coup, c'est ça un peu qui fait la force de ce premier épisode. Et justement, j'étais en train de me faire la réflexion concernant Shenmue, même si c'est vraiment le premier épisode de la saga, on a tendance à dire que c'est vraiment l'épisode 0 parce qu'il se concentre pas vraiment sur Hong Kong, puisque le tueur, enfin l'assassin qui a tué Iwazuki est chinois. Le deuxième épisode pourrait se... Le deuxième épisode de la série pourrait être le premier, puisqu'en fait, lorsque vous regardez l'intro du premier opus de Shenmue, Shen Hua, qui est donc une paysanne chinoise, dit à la fin « The saga just beginning », donc la saga ne finit que par commencer. Donc là, en gros, c'est un pré-jeu, en quelque sorte, mais bon, voilà, petit détail en question. Donc là, c'est vrai que là, beaucoup de cinématiques quand même à ce sujet. Alors, il faut savoir aussi notamment concernant le temps. Bon, peut-être essayer de finir cette discussion qui est un peu longue quand même. So, I should go and speak with Maeda-san, Itoi-san, and Manpukuken Ramen, right? Yes. I see. Thank you very much. Voilà, on en sort finalement. Quand même, dialogue un peu long, mine de rien. Donc voilà, comme je vous l'avais dit encore une fois la dernière fois, c'est qu'on vraiment, on vous mâche un petit peu, enfin on vous mâche un peu le travail quand on vous dit qu'il faut aller à tel endroit. Vous avez toujours ce petit notepad qui vous rappelle ce qu'il faut que vous fassiez juste là. Donc là, si je fais Y, hop, dans le notebook, on va vous dire concrètement les trois blades. Cuisinier, alors couteau, cuisinier, ciseaux, coiffeur et patch of embroidery, donc les patchs de la broderie, je dirais. Non, cuisinier, coiffeur et barbier, donc voilà. Donc en fait, il faudra aller faire ces trois là pour essayer de continuer le jeu par la suite. Donc là, il est 4h de l'après-midi dans le jeu, donc il faut quand même savoir aller
Bouge le vélo, voilà. Il faut quand même savoir que j'en avais parlé dans le What's Shenmue, que le temps en question est bien sûr du temps fictif, même si on est dans un monde mi-fictif, mi-réel. Si je fais mon montage et que je reste une heure sans rien faire, il faut compter, enfin une heure dans le jeu sans rien faire, il faut compter 3 bonnes minutes pour faire un tour complet. Donc là, je crois que, ouais, Maedl Barbershop est ici. Est-ce que c'est ouvert? Ouais, c'est ouvert, donc on va aller voir le premier. Excuse me. Hi. I'm searching for members of the Three Blades. The Three Blades? Ryo, how come you know about them? Tao-san from Aji-ichi told me. He said I should ask you about them. Is that so? Will you help me, Maeda-san? Sure, of course. Go down past the hamburger place. You mean Funny Bear Burgers? Just past the vegetable stand. Yeah. Ouais, donc voilà, on va devoir aller du coup chez l'autre barbier qui est vraiment à l'autre bout de la ville, l'endroit qu'on n'avait pas pu passer quand on avait fait le What. Mais du coup, dans le premier épisode, on aurait pu passer par ce chemin-là, mais ça aurait fait un peu vide. Vous allez voir juste tout à l'heure en sortant d'ici. Hospitalized, but he's set to be discharged within the next couple of days. Perhaps today even. Is that so? Well, I'll try there. Donc on va retorcir de suite. C'est pas ici qu'il y avait une photo d'un réel mannequin. Je crois que c'est chez l'autre coiffeur. Donc on va y aller sur le champ. Alors. Allez. Ah, je pensais qu'il allait avoir une petite altercation, quelque chose comme ça. Alors oui, je voulais encore une fois reparler justement de Jojo Bernard. Ça a été un moment, ça a été surtout pour moi un moment fort. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'une telle importance chez moi, ça m'a fait toujours plaisir. Voilà, en fait, justement, ça me fait tellement plaisir, je ne sais vraiment pas quoi dire, que j'en suis encore un peu sous le choc. Alors, Water Dragons 1, c'est pas là. C'est voilà. Donc là, justement, on aurait pu aussi passer par là pour aller à Dobuita, mais ça faisait justement un peu vide. Et du coup, le coiffeur est ici. Voilà, Louis Barber and Hair Salon. Regardez. Si je m'approche, normalement, est-ce que la photo... On a quasi une photo à peu près réelle, mais la qualité laisse un peu à désirer. Ouais, donc du coup, avec Jojo Bernard, on a fait franchement un super truc. Disons que les jeux que j'avais choisis, donc c'était Virtua Tennis et Street Fighter 2, c'était vraiment choisi, non pas à l'arrache, mais c'était vraiment fait un petit peu comme ça, à l'improviste. J'avais même proposé justement la veille, quand il m'avait appelé pour faire ce fameux épisode Rendez-vous en chaîne inconnue, de venir pour que je lui propose... Pourquoi il m'avait pas dit... Excuse me. May I help you? Mais pourquoi il me parle pas, je comprends pas. Allez! Je crois que j'aurais dû aller voir d'abord. Je pense que j'aurais dû aller voir le cuisinier. Alors, Mapukuken. Donc Mapukuken, je crois que c'est dans le petit quartier. Donc du coup, bah, on va y retourner. Bêtement, en fait, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait faire. J'avais un petit peu oublié. Oui, donc avec Jojo Bernard, on avait joué donc à Virtua Tennis et Street Fighter 2. Et moi, ce que j'aurais souhaité au départ, c'était justement qu'ils viennent pour qu'on fasse le choix des jeux au moment venu. Et donc du coup, ça s'est fait au dernier moment. Et ça a été une vraie partie de plaisir. Je me suis vraiment éclaté. Bon, même si beaucoup de mes amis m'ont dit que je me suis pris une dérouillée à Virtua Tennis. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je n'y avais pas joué. Alors, Mapukuken, c'est où déjà je... C'est pas ça. Non, ça c'est le Slot House. Donc la machine à sous. Le Mapukuken. Ah oh, putain, je sais. Non, ça c'est le Mahjong, mais ça va servir à rien. Non, ça c'est Aji-ichi Restaurant. Donc du coup, c'est plutôt de ce côté-là. Donc là, regardez, il est déjà passé 5 heures et le soleil commence à se coucher. Et lorsqu'il sera 7 heures du soir, là, il va commencer sérieusement à faire nuit. Et c'est à partir de 22 heures. Alors, je crois que c'est là que c'est ici. Mapukuken. Non, ça c'est le Jazz Bar. Oh là là, putain, je ne sais même plus où c'était du reste. Mapukuken. Non, ça c'est l'agence de voyage.
Alors c'est peut-être ici. C'est peut-être là, le Man Pokuken. Takahara Sushi. Alors ça doit être de l'autre côté. Ça doit être là, je crois. Oh putain, la caméra qui fait un peu des affaires. Ah voilà, voilà les deux amis, les deux meilleurs amis de Ryo qui sont ici. On n'a pas de photo, mais en fait, quand le deuxième jour de la saga se débutera, je vais vous les montrer puisque c'est rangé dans des tiroirs. Alors, Man Pokuken. Putain, je me souviens même plus où c'était. Donc là, on a un boulanger qui est juste ici. Je me demande si c'est pas par là. On va remonter ici. Voilà. Ami Saba Noodles, c'est pas ici. Alors, il y a un plan. Je crois que le plan est là-bas. Il y a même un. Non, ça, c'est des pubs. Le plan est ici, voilà. On va peut-être retrouver notre chemin. Voilà. Alors, nous, on est... Alors, voilà, on est là. Barber Maeda. Juste là, on a justement la salle d'arcade, enfin, qui est entre les deux. Donc, le Man Pokuken. Bah, c'est ça. En fait, c'était vraiment à côté du Bar Yokosuka. Et je m'étais planté, donc on va repartir sur le champ. Voilà, bon, je vais peut-être me répéter encore une fois, mais je suis vraiment éclaté... avec Jojo Bernard, et j'espère que ceci, ça m'a redonné envie de faire des vidéos, mais maintenant j'espère qu'à vous, ça va vous allez prendre du plaisir à regarder mes vidéos, diverses et variées, donc du coup, vraiment la machine qui commence sérieusement à se remettre en marche. Alors, Man Pokuken, je crois que c'est ici, si, c'est alors, Yokosuka, non, c'est pas là, voilà, je crois que c'est là, non, ça c'est le snack, la pizza c'est là. Le karaoké est ici, voilà, ma Pokuken, voilà, là j'avais complètement oublié que c'était ici. Hop, et du coup, je pense qu'il va devoir nous rebasculer vers le salon en question. Hop, allez, ah putain, il est un peu capricieux quand même, voilà. Help yourself to a glass of water. Oh, no thanks. Is it busy? Well, yes. Would you like something to eat? We also have miso-flavored ramen, too. They're a little rich, but not too strong. I'm in a hurry. Next time. See you then. Thanks anyway. Pourquoi il me renvoie? Enfin, pourquoi je vais à Man Pokuken et normalement, quand j'allais chez le barbier, généralement, il n'y a pas de discussion. C'est assez bizarre, normalement... Une discussion a dû se lancer, donc on va y retourner encore une fois. Je ne comprends absolument pas. Allez, on y retourne. Et c'est là, alors c'est peut-être pas ici, mais au prochain épisode qu'on va avoir les premiers QTE. Donc du coup les Quick Time Event, donc du coup on va devoir interagir pendant les cinématiques du jeu. Les combats se feront un tout petit peu plus tard, donc ça aura la même contenance que le Virtua Fighters. Donc là du coup on y retourne et ça ferme à 19h, donc tout juste on va y retourner encore une fois parce que c'est pas normal. You son. Hello. Welcome. How would you like your hair today? I'm not here for a haircut. I came to ask about people from China. And you are? I'm Yo Hazuki, of the Hazuki Dojo in Yamanose. Hazuki-san? Darling, you saw it in the paper on that snowy day. Ah, I understand you've gone through a lot. I'm looking for a Chinese man who goes by the name Lan Di. Tao-san and the others of the Three Blades said that perhaps you'd know. So, Tao-san referred you to us. Well, I'm a second-generation Chinese, so I don't think I can be of much help. Maybe they meant your father. Oh, I see. He is? My father's 80 years old. He owned a shop in Yokohama from before the war. Maybe he knows. He's been in hospital for the flu and was just discharged yesterday.
He's been through a lot, so we've kept it closed for a while. Is he all right? Oh, he's much better now. Perhaps he's exercising in Suzume Park. Suzume Park? He walks once around Obuita and eats at the Soba restaurant every day. Thank you very much. I'll try there. On va se quitter après avoir recherché enfin ce coiffeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Vos commentaires, vous pouvez me les donner. Je serai ravi de vous donner un grand retour là-dessus. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera pour le 3e épisode de Shenmue. Bon, j'ai pas encore le titre, mais à mon avis, je pense que ça va se passer dans les bars. Allez, à très vite. Sayonara Tomodachi. Un grand merci à vous, les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Et pour être mis au courant de mes toutes nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche juste à côté. Sinon, tu t'abonnes pour rien.